Salut, c'est Bruno Ramos pour Bassiste Magazine. Bienvenue dans cette vidéo qui va avec le cahier de vacances de votre magazine préféré. Je vous explique tout d'abord comment fonctionne le cahier de vacances. En fait, j'ai réparti le travail en 4 semaines. Chaque jour de la semaine a sa thématique. Par exemple, le lundi, ça va être la technique systématiquement. Le mardi, ça va être une ligne de basse. Le mercredi, on va travailler le rythme. Le jeudi, ça va être le travail de l'oreille. Le vendredi, on va s'atteler un petit peu aux gammes. Le samedi, la créativité, et enfin le dimanche, une écoute de playlist, ou du repos, ou un récap de la semaine, ou tout ça en même temps. Dans cette vidéo, je vais vous guider jour par jour tout au long de votre cahier de vacances. Alors je passe rapidement sur chaque exercice, évidemment vous vous reportez à votre cahier de vacances papier ou format numérique qui est dans votre magazine. Et on commence donc par le premier lundi. Alors, ce premier lundi c'est de la technique, et on va travailler l'exercice qui s'appelle le spider. Le spider, c'est... ce principe-là, qui fait donc travailler les quintes et les tierces mineures. Vous retrouverez tout dans votre magazine. En gros, l'idée, c'est de travailler à vitesse progressive, puis de rajouter de la difficulté en écartant, en rajoutant une corde. Donc là, ça va nous faire des octaves et des sixtes. Et également, on peut écarter carrément de deux cordes. Et en fait, quand on travaille, moi de préférence, je préfère travailler sur des débits variables, c'est-à-dire que je commence avec des blanches. Puis des noires. Après, pareil avec les écartements. Ce sont des déclinaisons de ce même exercice. On passe au deuxième jour de ce cahier de vacances, le mardi de la semaine 1 donc, dans lequel je vous invite à travailler le morceau Master Blaster. La partition est dans votre magazine, et si vous avez besoin d'audio, évidemment, sur toutes vos plateformes préférées, vous allez le trouver. Jour 3 maintenant, le mercredi de la première semaine donc, on va travailler le rythme. Cette fois-ci, je vous ai écrit une formule rythmique. Je ne vais pas vous la jouer, l'idée c'est que vous puissiez faire l'effort de lecture, donc vous trouverez ça dans votre magazine. Et ça sera pareil, chaque mercredi, une formule rythmique à déchiffrer en autonomie. Pour tout ce qui est exercice comme ça qui pourrait mériter une forme de correction, je vous invite à poster vos vidéos en commentaire de cette même vidéo. Et ça sera mon cahier de vacances à moi d'aller checker tout ça et de vous mettre mes petits commentaires. On passe au jour 4, donc le jeudi de la première semaine. Les jeudis, je vous inviterai donc à repiquer à l'oreille un morceau ou une petite partie d'un morceau. Tout ça, c'est mentionné dans votre magazine. Et de la même manière que les exercices de rythme ou tous ceux qui méritent correction, n'hésitez surtout pas, vous mettez vos petites vidéos en commentaire de cette vidéo. Et comme je vous le disais juste avant, je checkerai tout ça et je vous mettrai des coms. Et donc dans ce premier jeudi, je vous invite à repiquer deux passages d'un morceau qui s'appelle Radio Killer du groupe Stateless. Et vous allez voir que la signature rythmique, déjà, elle est en 7-4. Et en plus, là, dans la basse, il y a des petits chromatismes et des choses qui peuvent amener un petit peu à tendre l'oreille pour leur piquer. On passe au jour 5, qui est le vendredi de la semaine 1, dans lequel je vous invite, comme tous les vendredis, à travailler vos gammes, sans contrainte, sans couteau sous la gorge, mais plutôt déjà de vous promener sur celles-ci et d'essayer de les intégrer par analogie. Quand je dis par analogie, c'est que par exemple ce premier jour de gamme, c'est-à-dire le premier vendredi, je vous invite à travailler vos gammes, donc la gamme majeure, et en même temps à travailler le mode lydien, et en même temps à travailler le mode mixolydien, et en fait de travailler ces trois modes, donc le mode ionien, qui est le premier mode de la gamme majeure, le mode lydien, le quatrième, et le mode mixolydien, le cinquième. Je vous invite en fait à mémoriser par analogie les différences qu'il y a entre chaque. C'est-à-dire qu'en travaillant ces trois-là de manière simultanée, on va voir que ça c'est la gamme majeure, que dans le lydien c'est la quarte qui bouge. Et si on compare donc le mode ionien au mode mixolydien, c'est la septième mineure dans le mode mixolydien. Donc le fait de les travailler en simultané, vous allez pouvoir les comparer et mieux les mémoriser comme ça, parce que vous avez finalement qu'un petit détail à mémoriser sur chaque nouveau mode. Pour les travailler, soit vous les parcourez gentiment,
Soit vous les travaillez comme les exercices de technique, en général j'aime bien subdiviser les débits. Blanche, noire, croche, triolet, double croche par exemple. Et aussi vous pouvez inventer des exercices un petit peu plus rigolos comme des gammes brisées en tierces par exemple. Ou alors une gamme brisée en tierces avec un renversement une fois sur deux. Et ainsi de suite, vous pouvez les panacher dans tous les sens. Ça sera valable pour tous les travails de gamme dès vendredi, je vous le rappellerai un petit peu. On passe au sixième jour, qui est donc le samedi de la première semaine. Donc le samedi, c'est le travail de la créativité. Alors, à chaque fois, je vous ai fait un petit playback que je vais insérer juste après ce blabla. Et dans ce playback, je vous invite à jouer certains modes, certaines gammes, sur certains accords. Par exemple, ce premier samedi, je vous invite à travailler avec le mode mixolydien et la pentatonique majeure, et sur sol 7, et sur do majeur, à travailler avec la gamme de do majeur ou la gamme de do majeur pentatonique. En fait, ce que je vous propose avec ce travail de créativité, c'est d'explorer de plusieurs manières les gammes et les modes. C'est-à-dire que soit vous créez une ligne de basse avec les gammes et les modes que je vous suggère, sachant qu'il y a d'autres alternatives, mais volontairement, je fais le focus sur certains qui me semblent vraiment intéressants, et fondamentaux plutôt. Soit vous créez des lignes de basse, soit vous créez un petit solo, soit vous créez des mélodies, soit vous explorez tout simplement sur ce fond sonore vos gammes en les parcourant. Bref, c'est complètement ouvert, le but c'est juste de prendre plaisir à créer des choses avec des gammes et des modes. De la même manière que pour plein de contenus de ce cahier de vacances, je vous invite à poster vos propositions de créativité en commentaire de cette vidéo. Vous mettez le petit lien de votre vidéo et je me ferai un plaisir d'aller écouter et de commenter tout ça. On arrive au jour 7, qui est donc le dimanche de la première semaine. Je vous invite donc à trouver le petit flashcode sur votre magazine papier ou numérique qui vous mènera vers la playlist. Vous retrouverez aussi ces playlists sur la page YouTube de Bassist Magazine. Une autre possibilité pour profiter de votre dimanche, c'est aussi de faire un petit récap de peut-être certaines étapes de votre semaine qui auraient mérité de s'y repencher un petit peu, ou alors tout simplement de vous reposer. Nous voici au jour 8, qui est donc le lundi de la deuxième semaine. Alors pour ce lundi, comme tous les lundis d'ailleurs, c'est le travail de technique. Ici, je vous ai créé un déliateur pour bien faire bosser vos quatre petits doigts. Ça ressemble à ça, donc en fait c'est 1, 2, 3, 4 dans la combinaison et on change de corde. Vous retrouverez la partition sur votre magazine, bien sûr. Donc le travail proposé, c'est de faire... Pareil, en blanche, puis en noir, puis en croche, puis en double croche, comme chaque jour où il y a des exercices. Une alternative, c'est de rajouter de l'écartement, comme le lundi dernier d'ailleurs. On rajoute l'écartement d'une corde, et ça nous donne ça. Mmh.
très bizarre, mais ça fait bien bosser les doigts. On passe au jour 9, qui est donc un mardi, et le mardi, c'est le jour des morceaux. Cette fois-ci, je vous propose donc de bosser le morceau « La femme d'argent » du groupe R, qui est une super ligne de basse implacable en pentatonique de si mineur. Nous voilà au jour 10, donc un mercredi. Le mercredi, on travaille le rythme. Comme pour la dernière fois, je vous invite à faire le relevé vous-même, je vous le souffle pas. L'idée, c'est de vous inviter à faire du déchiffrage. Vous postez vos vidéos, je les commande, blablabla, comme d'habitude. Jour 11 maintenant, c'est le jeudi de la semaine 2, donc. Le travail de l'oreille du jeudi. Cette fois-ci, il y a deux propositions. Un morceau que j'adore des Arctic Monkeys qui s'appelle Do I Wanna Know. Je vous ai mis le minutage pour le petit passage que je trouve intéressant à relever. Et pour les plus costauds, un morceau d'Esperanza Spalding qui s'appelle I Know You Know. On arrive au jour 12, donc c'est le vendredi de la semaine 2. Encore une fois, un travail des gammes par analogie. La dernière fois, on a fait les gammes majeures. Cette fois-ci, on va faire les gammes mineures. Donc, comme pour le vendredi dernier, je vous explique pourquoi est-ce que j'ai choisi de grouper ces gammes-là. C'est encore une fois, grâce à l'analogie que je fais entre ces gammes-là, ça va vous permettre de mieux les mémoriser. Alors, la gamme de référence, c'est la gamme mineure naturelle ou alors le mode éolien. C'est-à-dire, si je le joue par exemple à partir d'un La... Et je vais le comparer avec le mode dorien, qui est le deuxième que je vous invite à travailler ce vendredi. Et là, vous avez vu qu'il y a une sixte majeure dans le mode dorien. Et maintenant, si je compare un nouveau mode avec mon mode de référence qui était le mode éolien, je vais prendre le mode phrygien et le mode phrygien. Seconde mineure, la seule différence qu'il a avec le mode éolien. Donc en travaillant ces trois modes en simultané, vous allez pouvoir mieux les identifier. Pour ce qui est de la méthodologie pour travailler ces différents modes, je vous invite à vous référer à vendredi dernier, sauf si vous l'avez déjà fait, et du coup vous allez vous en rappeler. On arrive au jour 13. Alors le jour 13 c'est un samedi, et le samedi c'est le jour de la créativité. Donc pour travailler la créativité, je vous ai mis une grille toute simple en Ré mineur 7 qui va pouvoir vous permettre de travailler et le mode dorien, qu'on a vu hier, et également de vous balader en pentatonique mineure de Ré. Le playback à suivre. Nous voilà au dimanche, le 14e jour de ce cahier de vacances, on est à la moitié. Comme chaque dimanche, la playlist avec le QR code dans votre magazine. Je vous laisse du temps pour faire un récap de la semaine, ou alors pour vous reposer. 15e jour de ce cahier de vacances du bassiste. Alors, nous sommes le lundi de la 3e semaine, et ce lundi, comme chaque lundi, c'est la technique, et le travail que je vais vous proposer, c'est de verrouiller un petit peu vos effets principalement, les hammer-on et pull-off. Pour ce faire, je vous ai proposé de travailler comme ça, c'est-à-dire qu'on lance la note avec la main droite. Une fois qu'elle est lancée, il n'y a que la gauche qui travaille. Et ça va ressembler à ça. Évidemment, vous pouvez aussi le travailler en accélérant un peu. Mais commencez bien doucement, parce que c'est là où ça se complique un petit peu finalement quand c'est lent. On va explorer toutes les cordes. La corde de là. Je le fais vite, hein, histoire de passer.
On arrive au 16e jour, donc le mardi de la 3e semaine. Le mardi, c'est le morceau. Aujourd'hui, un morceau mythique avec une ligne de basse que j'adore. C'est le morceau Lullaby de The Cure. Vous avez la partition, vous avez vos plateformes pour écouter la musique, vous avez toutes les clés en main pour le bosser. Amusez-vous bien. Nous voilà au 17e jour, donc le mercredi de la semaine 3. Comme tous les mercredis, c'est le travail de rythme. Vous faites votre petit déchiffrage avec la partition que je vous livre. Si ça vous branche, vous mettez votre vidéo en commentaire et je me ferai un plaisir de la commenter et ça profitera en plus à ceux qui peinent de s'y retrouver. Donc tout le monde y gagne. Nous voilà au 18e jour de ce cahier de vacances du bassiste. On est le jeudi de la 3e semaine. Aujourd'hui, c'est le jour du relevé à l'oreille. Donc je vous suggère deux morceaux qui commencent pareil. En tout cas, la ligne de basse commence avec les mêmes notes. C'est le morceau de Queen, Another One Bite the Dust, et le morceau Rapper's Delight de The Sugar Hill. N'hésitez pas, encore une fois, vous mettez vos vidéos en commentaire, ça servira aux autres. Je me ferai un plaisir de regarder tout ça et de commenter. Comme je vous disais en début de cette vidéo, ça sera mon cahier de vacances à moi que de suivre un petit peu ce qui se passe sur les commentaires. Nous voilà au 19e jour de ce cahier de vacances. Aujourd'hui, c'est le vendredi de la 3e semaine. Donc, le vendredi, c'est le travail des gammes. Pour cette 3e semaine, je vous propose de travailler un petit peu différemment que les deux autres fois. C'est-à-dire qu'on va isoler deux modes de la gamme mineure harmonique. Donc le premier, déjà, qui est la gamme mineure harmonique elle-même. Je vais la jouer en sol. Cette gamme mineure harmonique, vous l'avez remarqué, c'est comme un mode éolien, ou la gamme mineure naturelle, qui par contre a une septième majeure. Et un mode qui nous sert régulièrement quand on est bassiste, issu de cette gamme, c'est le mode phrygien majeur, qui est en fait le cinquième mode de cette gamme. Donc pour vous le montrer, je vais vous le jouer à partir de la note, de la cinquième note de cette gamme. Et ça, c'est un mode qui est intéressant de bosser aussi. Donc ces deux modes-là, ce qui peut être intéressant, c'est de les bosser séparément, puis d'essayer de les faire tourner avec premier degré, cinquième degré, premier degré, cinquième degré. Et de les travailler comme les autres gammes, les autres vendredis. Je ne vais pas rabâcher la méthode, vous l'avez déjà eu deux fois, les deux vendredis qui précèdent. Nous voilà au 20e jour de ce cahier de vacances. Nous sommes samedi de la 3e semaine. C'est le jour de la créativité, avec une grille sol mineur deux fois, mi bémol et ré 7. Là, je vous invite clairement à travailler avec les modes qu'on a vus hier, qui sont d'une part la gamme mineure harmonique et d'autre part le mode phrygien majeur. Vous retrouverez tous les détails dans votre magazine. Jour maintenant, on est le dimanche de la 3e semaine. Le dimanche, c'est facile, QR code pour la playlist, on récapitule ou on glande. 22e jour de ce cahier de vacances, on attaque la dernière semaine, ça veut dire potentiellement la rentrée pas loin. C'est donc un lundi avec le travail de technique. Ce travail de technique, en fait, je vais vous proposer de travailler le jeu en octave. Donc je vous propose en fait un exercice qui vous permet de jouer en octave tout au long de votre manche pour travailler l'écartement, parce qu'en fait l'écartement d'octave ici n'est pas le même qu'ici, donc c'est toujours intéressant de bosser ça progressivement pour que la main, vous voyez, elle se formate un peu aux écartements. Pour ça, l'exercice fait ça, donc je l'ai écrit en croche, mais pareil, vous pouvez ralentir puis accélérer. Thank you.
Et ainsi de suite. Là, le but, c'est vraiment d'explorer le manche et de s'amuser à travailler en octave. Nous voilà jour 23 de Skate Vacances, donc on est le mardi de la quatrième semaine. Aujourd'hui, c'est le jour du morceau. Avec vos plateformes et la partition, vous avez tout ce qu'il faut pour le bosser. Cette fois-ci, je vous propose de bosser le morceau qui s'appelle « Le reste » de Clara Luciani, dans lequel j'ai repéré qu'il y avait certainement deux lignes de basse qui avaient été jouées en additionnel. Je vous ai fait une espèce de compacté de tout ça. Normalement, ça marche pas mal. Bah, écoutez... À vous de poster vos vidéos et puis de éventuellement proposer des alternatives. En tout cas, amusez-vous bien. 24e jour, nous sommes mercredi de la 4e semaine. Travail de rythme, alors cette fois-ci c'est un peu moins facile que les fois d'avant. Mais encore une fois, je compte sur votre solidarité pour poster des vidéos pour aider ceux qui n'y arrivent pas. En tout cas, moi je vous le souffle pas parce que bien évidemment, je le répète, l'idée c'est que vous puissiez faire du déchiffrage. Donc bonne lecture. Jour 25, on est jeudi de la 4e semaine. Le jeudi, c'est le jour du travail de l'oreille. Donc deux morceaux à repiquer, le premier c'est le riff de Runaway Baby de Bruno Mars, et le deuxième c'est la ligne de basse de Around the World de Daft Punk. J'attends vos contributions en commentaire. Jour 26, on est le dernier vendredi de ce cahier de vacances, donc la dernière fois qu'on va travailler les gammes ensemble. Petit récap des fondamentaux, des pentatoniques. Donc en fait, je vous propose de bosser vos pentatoniques de la même manière qu'on a bossé les gammes avant, mais avec un focus particulier sur un élément. C'est qu'en fait, je vous les ai écrits dans votre magazine en position diagonale. Et en fait, la seule chose que j'ai changé entre mineur et majeur, c'est la position de la fondamentale. Parce qu'en fait, pentatonique majeur et pentatonique mineur sont liés, puisque ce sont les mêmes, sauf que la fondamentale n'est pas placée au même endroit. Par exemple, là, je vous ai joué un sol mineur pentatonique. Avec fondamentale de sol. Mais si je pense si bémol majeur... La pentatonique de si bémol majeur, c'est exactement le même geste, par contre les fondamentales ne sont pas au même endroit. Donc j'essaye de la jouer de telle manière à ce que la fondamentale nous attire un petit peu plus l'oreille vers la fondamentale de la pentatonique majeure de si bémol. Et là j'ai résolu en fait, je suis parti de si bémol et j'ai résolu sur si bémol, donc notre oreille a été attirée. Par contre, c'est exactement la même position que celle qui précédait. Amusez-vous bien. On arrive au jour 27, l'avant-dernier jour de Skate Vacances. Donc on est samedi de la 4e semaine. Je vous ai fait une petite grille. Le playback va démarrer juste après mon petit speech là. L'idée, c'est quand même que vous puissiez travailler et essayer de créer des choses avec le mode lydien. Donc j'insiste, je vous ai proposé de jouer lydien sur un des accords. Faites-le, essayez d'explorer vraiment ce mode et de trouver des mélodies avec. C'est un mode assez spécifique qu'on a quand même tout intérêt à bien avoir dans les pattes. Et ça y est, on est jour 28. Dernier jour de ce cahier de vacances, certainement un dimanche qui sonne une veille de rentrée. Mais c'est pas grave, on a un QR code avec une playlist à écouter, la possibilité de faire un récap de tous les exos de la semaine, et également la possibilité de bien rien foutre pour ce dernier jour de vacances. J'espère que ce cahier de vacances vous a été profitable. J'attends vos commentaires, vos photos de vacances, vos basses en promenade, vos basses en photo sur la dune du Pila, ou je ne sais quoi. En tout cas, j'espère du fond du cœur que vous avez passé un bon moment avec ce cahier de vacances que je me suis un petit peu décarcassé à vous concocter.
Je vous souhaite plein de bonheur avec vos fréquences graves. C'était Bruno Ramos pour Bassiste Magazine. À bientôt!